Salut les filles, donc on continue le test des produits. Donc, je sais pas si vous m'avez suivi, j'ai fait un haul de chez Born Pretty Store où je vous présentais plusieurs articles et que je vous avais dit que je vais les tester un par un ou plusieurs, tout dépendra de ce que j'aurai décidé. Donc j'ai déjà testé le pilaf de chez Born Pretty que j'ai approuvé. Adoré. Donc, si ce produit vous intéresse, vous savez, c'est pour protéger vos doigts, n'hésitez pas à aller voir ma petite vidéo précédente. Je vous mettrai le lien par là. Et là, on va tester une plaque. On va tester celle-là, le motif avec plein de fleurs. Hop. Donc, si ça vous intéresse. Eh bien, poursuivez cette petite vidéo. Bye Donc voici la petite plaque en question de plus près. Vous avez sa référence juste ici. Donc pour celles qui ne savent pas, eh ben, vous avez un film de protection. C'est le bleu que vous voyez qu'on va venir retirer. Voilà. Donc ce sont des motifs avec des feuilles, des fleurs. Voilà, vous avez les roses ici. Je sais pas trop si des tulipes, je dirais. Voilà. Alors déjà, d'aspect, vous entendez, la gravure est top. Donc je pense qu'il devrait bien faire l'affaire. Donc on va tester tout ça. Je vais en tester 3 ou 4. Hein. Donc je vais prendre le petit vernis à stamping. Je vais prendre mon petit tampon fétiche. Et on va tester ça. Je vais estamper sur les doigts là qui sont colorés. Et puis après les autres, je le ferai sur un support. Voilà, sur un papier. Voilà, on devrait le voir. Donc, qu'est-ce que je vais tester? T'as les roses. Donc, hop, on pose le vernis. On racle. Et voilà, vous avez vos roses ici. Allez. Et voilà, vous avez les motifs qui sont très 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 bien stampés. Et pourtant, je ne me suis pas trop dépêchée, j'avais pas mon matos trop à côté. Donc, premier, validé, il n'y a pas de problème. Tiens, je vais tester mon petit rouleau en même temps. Oh, c'est super, hein? Regardez-moi ça. Rouleau là, que je vous présenterai dans une autre vidéo. Impeccable, hein? Je vous le présenterai avec d'autres petits produits de Born Pretty, car lui aussi, il vient de chez Born Pretty. Allez, on va nettoyer la plaque. Allez, qu'est-ce qu'on va faire sur l'autre? On va faire les fleurs là, le feuillage. Raclette, tampon, feuille. Ok, sur le doigt. Ok, vous voyez, hein, je peux pas vous mentir, il fait vraiment son job. Donc on va essayer d'autres pour voir.
Attends, on va essayer les fleurs là. La tulipe là, t'es. Elle me plaît bien celle-là. Génial. Regardez-moi ça. Oh, c'est pas beau ça. Regardez. Alors certes, les plaques que vous avez là seront peut-être plus chères que celles que vous pouvez trouver les mêmes sur AliExpress, mais là, au moins, j'en suis sûre de la qualité. Parce que moi, j'avais déjà fait une vidéo pour comparer des plaques vraiment les mêmes et j'étais vachement déçue. Celles d'AliExpress, pouvez tomber sur des vendeurs où leurs plaques sont pas bien gravées comme là. Et finalement, eh bien, vous balancez peut-être 80 centimes, 1 euro à la poubelle. Que là, vous dépensez peut-être aller 2 euros, mais vous êtes sûr d'avoir votre plaque qui marche. Allez, le dernier pour la route. Bon, là, j'ai pas mis assez de vernis, donc ce sera normal. Voilà, et même vous voyez, avec un manque de vernis, les mains impeccables. Et voilà, impeccable. Allez, on fait un petit dernier pour le fun. Allez, et on va faire ces trucs-là étranges. Regardez. C'est mignon, c'est mignon. Je sais pas trop. C'est quoi comme motif? Mais bon, des espèces de fleurs. Voilà. Donc, eh ben, test de cette plaquette au top. La gravure est impeccable. Vous avez le motif qui se stampe super bien. Donc, rien à dire. Si vous êtes intéressé par le tampon, ils viennent chez eux aussi. Franchement, je vais m'abonner, hein. C'est pas possible. Donc voilà, donc cette petite vidéo est terminée pour le test grande plaque à fleurs, hein. Donc je valide également. Maintenant, j'ai plus qu'à me nettoyer le petit contour, hein, là. Mais vous voyez, hein, c'est magnifique.